Merci de votre constante fidélité à votre émission Agrométéo. La semaine écoulée, nous avons parlé de l'application Pleine Vie Les Genouroux qui permet d'identifier, de contrôler et de lutter contre les ravageurs qui nuisent aux cultures. Cette semaine, et comme promis, nous abordons la lutte biologique à travers une méthode aussi innovante qu'écologique. Ça vous dit quelque chose, les parasitoïdes? Eh bien, ce sont par exemple des insectes qui s'attaquent aux ravageurs des productions. Curieux, n'est-ce pas? Suivez-nous donc à Bobo Dioulasso dans la région des Hauts Bassins du Burkina Faso où une entomologiste va tout nous expliquer. Puis, nous jetterons un coup d'œil dans le carnet bulletin avant de nous séparer. Les ravageurs sont variés. Il y a des broyeurs, il y a des piqueurs suceurs, il y a des laisseurs. Les broyeurs, eux, ils s'attaquent aux feuilles, les racines et les tiges. Les piqueurs suceurs, ils piquent la plante et puis ils tirent la sève. Et en même temps, ils peuvent injecter des virus dans la plante. Au niveau des laisseurs, eux, ils viennent laper la plante et puis ils laissent une ouverture aux maladies. Les attaques peuvent se manifester de plusieurs manières. Et en fonction des pièces buccales du ravageur, on peut avoir trouvé que les feuilles sont coupées. On peut trouver aussi que la feuille a une couleur qui n'est pas verte. La mosaïque, par exemple. Ça, c'est généralement la mousse blanche qui en est la cause. Parce que en suçant, elle injecte un virus. Et ce virus est la cause du mosaïque au niveau du manioc. Concernant le riz, au stade végétatif, nous constatons la présence de la cenille qui attaque les feuilles et souvent même la tige à la maturité du riz. Et il y a généralement des oiseaux granivores qui, quand le riz est au stade pâteux, qui vient sucer le liquide. Les dégâts que ces ravageurs causent, il faut dire que c'est les pertes du rendement. On peut dire de manière générale les nuisibles. Les nuisibles sont des ennemis des producteurs parce que ces nuisibles-là détruisent les cultures des producteurs. Ces nuisibles occasionnent des pertes en rendement. Alors que le producteur, lorsqu'il investit, il s'attend à la fin à faire un bénéfice. Et avec les insectes ravageurs ou bien les maladies, ça peut occasionner des pertes. Maintenant, les parasitoïdes, les prédateurs, les entomopathogènes, eux, on peut les classer comme étant des amis des producteurs parce qu'ils aident les producteurs à réguler la densité des ravageurs dans leur culture. La lutte biologique, c'est une méthode de lutte comme les autres méthodes de lutte contre les nuisibles des cultures, telles que les ravageurs des plantes, les maladies et puis les mauvaises herbes, mais en utilisant des organismes vivants. En lutte biologique, ce qu'on peut utiliser comme organismes vivants, on a les parasitoïdes, on a les prédateurs et les parasitoïdes, on peut dire que c'est un organisme, un insecte, qui pond ses œufs sur la larve ou bien les œufs du ravageur des cultures. Il y a des parasitoïdes larvophages, c'est-à-dire que ce sont des parasitoïdes qui pondent leurs œufs sur les larves, et il y a des parasitoïdes ophages, donc ce sont des parasitoïdes qui pondent leurs œufs sur les œufs de l'insecte nuisible. Par exemple, pour les termites, on peut faire appel à des fourmis, puisque les fourmis mangent les termites. Naturellement, on peut épandre le sang du maïs dans le champ et puis attirer les fourmis. Et lorsqu'ils vont rentrer dans le champ, ils vont en même temps s'attaquer aux termites. Comment la lutte biologique est bénéfique aux producteurs? Parce que là, on parle de lutte biologique. Et qui parle de lutte biologique, parle d'utilisation d'agents biologiques, donc pas d'agents chimiques. Donc déjà, ça protège le producteur.
Parce qu'on a remarqué généralement que les producteurs, lorsqu'ils font les traitements avec les produits chimiques, ils ne se protègent pas. Donc, ils peuvent, avec les résidus de pesticides, ça peut à la longue constituer des dangers, des maladies pour eux-mêmes. Alors qu'avec l'utilisation des parasitoïdes, il n'y a pas de contact direct avec des produits chimiques. Donc, les parasitoïdes, à eux seuls, peuvent réduire la densité de population. Parce que l'objectif de la lutte biologique, là, ce n'est pas de tuer tous les insectes, mais au moins de réduire leur densité à un niveau raisonnable, voilà, pour qu'il n'y ait pas de perte. Voilà. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là que la lutte biologique est bénéfique aux producteurs, parce que ça protège l'environnement, ça les protège aussi, et ça protège aussi les consommateurs. Pour les producteurs, et pour pouvoir préserver la population et des parasitoïdes, on leur conseille de ne pas utiliser les produits chimiques. Parce que l'utilisation des produits chimiques tue les parasitoïdes qu'on appelle communément, ce sont nos amis, ce sont des insectes utiles. Voilà. Donc, lorsque le producteur n'utilise pas les produits chimiques, il arrive à préserver la population des parasitoïdes et à les multiplier. Et c'est en ce moment maintenant que les parasitoïdes peuvent jouer leur rôle. Voilà. Lorsque le producteur utilise des produits chimiques, il élimine en même temps les insectes ravageurs et les insectes utiles qui sont les parasitoïdes et puis les prédateurs. Les producteurs à l'heure actuelle n'ont pas les compétences nécessaires pour faire l'élevage des parasitoïdes afin de les utiliser en lutte biologique. Puisque la lutte biologique avec les parasitoïdes, ça nécessite d'abord un élevage en masse au laboratoire. Donc il faut avoir une population très importante avant de faire les lâcher. Donc ce que les producteurs peuvent faire, c'est de travailler de concert avec les techniciens, les agents du ministère de l'Agriculture et avec la recherche pour pouvoir bénéficier de ces parasitoïdes-là afin de lutter contre les insectes ravageurs de leur culture. Valeureux producteurs et productrices agricoles, chaque semaine, votre émission Canal Agrométéo vous donne des informations sur le bilan pluviométrique des 6 derniers jours et les prévisions des 6 prochains jours pour l'ensemble du territoire national, ainsi que des alertes sur les poches de sécheresse. Vous aurez également la prévision allant du 4 août au 3 septembre et des conseils agricoles. Voici donc le bilan de la semaine passée. Entre le dimanche 31 juillet et vendredi 5 août, des pluies ont été enregistrées sur une bonne partie du territoire avec des précipitations allant de 14 à 88 mm d'eau. Les plus fortes pluies ont été enregistrées dans des localités de Diapaga, Goussi, Yako, Réo, Koudougou, Boromo, Dano et Oundé. Parmi les localités les moins arrosées, il y a Waiguia, Titao, Djibo, Gorom Gorom, Dori et Seba avec des précipitations variant entre 14 et 39 mm. Que nous dit la météo pour ce qui concerne la nouvelle semaine qui commence? Dans la période du 7 août au 12 août, les pluies seront fortes comme celles de la semaine écoulée. Elles varieront entre 11 à 64 mm sur l'ensemble du territoire. Les localités de Saint-Dou, Ourudar, Bobo-Dioulasso, Oundé, Boromo, Dano et certaines localités de Banfora recevront les plus fortes pluviométries, entre 43 et 64 mm de pluie, soit 430 000 et 640 000 litres d'eau par hectare, ce qui permettra la poursuite des activités de semis pour certaines spéculations comme la patate, le manioc et la pastèque dans ces localités. Les détails sur les quantités de pluie peuvent être retrouvés sur la carte et sont mises à jour sur l'application de Plainte Village Nourou que vous pouvez télécharger gratuitement sur Play Store. Par contre, il va pleuvoir beaucoup moins ces 6 prochains jours dans certaines localités de Djibo, Gorom Gorom, Dori, Bougandé, Gayeri, Koupela, Tenkodogo, Wargaï, Pama et Batié. Elles seront les moins arrosées avec des pluies comprises entre 11 et 27 mm, soit entre 110 000 et 270 000 litres d'eau par hectare. Vous pourrez avoir plus de détails sur l'application Plain Village Nourou.
L'ensemble du territoire recevra du 4 août au 3 septembre entre 102 à 293 mm d'eau de pluie. Les localités de Saint-Doux, Orodara, Solenzo, Nouna, Diobougou et Dano recevront les plus fortes pluviométries avec en moyenne entre 2 203 000 à 2 938 000 litres d'eau par hectare tout au long de ces 30 jours. Pour les producteurs des localités où on observera de fortes pluviométries, il est conseillé de s'activer dans les activités d'entretien des champs, notamment les traitements phytosanitaires, les amendements et les sarclages. Aussi, la mise en phase des cordons pierreux ou des diguettes anti-érosives est conseillée. Cela permettra de réduire les effets de l'écoulement des eaux dans les champs. Pensez également à planter des arbres tout au long de vos champs qui pourront servir de brise-vent les années à venir s'ils sont bien entretenus. C'est tout pour ce qui concerne les conseils agricoles et la météo de la semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sur le temps et d'autres conseils agricoles. Vous pouvez toujours nous envoyer vos suggestions par WhatsApp au plus 226 76 60 03 81. Vigilance donc sur ces ravageurs qui s'attaquent à nos champs. Nous espérons que ce numéro d'AgroMétéo consacré aux méthodes naturelles de lutte vous a été d'une grande utilité. On se dit à la semaine prochaine.